Salut à toutes et à tous, camarades survivants, de retour avec Radcool Raptor dans la petite station-service. On a enfin mis la main sur une station-service. Il est 19h20, on est essoufflé, fatigué, on est barbouillé, c'est inquiétant. On n'a pas très faim, on a désagréablement chaud, c'est pas grave, on va dormir. Donc on va mettre l'alarme et on va essayer de dormir. Je peux pas dormir là? Non? Je peux m'asseoir par terre, c'est pas violent. Je vais m'asseoir par terre. J'espère que ça va me reposer un peu. On va passer le temps plus vite. En espérant que tout se passe bien. Ok, je suis exténué, mais ça va me reposer un peu. Qu'est-ce qui t'arrive, gros? Pourquoi tu frétilles comme ça? Qu'est-ce qui se passe? 21h. Je me repose pas beaucoup. C'est le problème. Ah, stop, 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 stop. Mon bandage est sale. Arrêtez, on enlève. On enlève le bandage sale. Ah, je peux le faire assis, d'accord. Ok, je suis juste égratigné, je remets un bandage. J'entends des aides à l'extérieur. Oh. Debout, 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 gros. Ah, mais j'aurais pu dormir pas. D'accord. Lève-toi. Il y a des aides. Ce qu'on va faire. Ton bidon d'essence, tu vas le poser par terre. Où il l'a mis? Il est par terre. On va essayer d'aller gérer ça. J'ai pas envie de dormir à côté. Où sont-ils? Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà? J'ai faim. Il fait froid. Tout va mal. Je fais un petit tour d'observation. J'aimerais bien dormir. Ça peut être derrière, hein, c'est possible. Non? Si. Pourquoi je le vois pas? Traite-le vite, traite-le vite. Je suis exténué. Allez! J'ai gros, rentre. Va te reposer. Ferme les portes. Cache-toi là-dedans. Écoute, est-ce que je peux dormir par terre? Ouais, je remets mon alarme. Je tente. On tente la nuit. Très fatigué. Aïe. Nauséeux. Ça, vous savez ce que ça veut dire. Nauséeux, ça veut dire... que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On va manger un petit peu. Nauséeux, ça pourrait très bien vouloir dire que je suis infecté. C'est triste, mais c'est la vie. C'est pas grave. Enlever le bandage sale. Ouais, pour le moment, ça va. On va manger des trucs. Hein? Voilà. On va aller chercher un véhicule. Il faut aussi qu'on nettoie. Chips, tortilla, ourson en gélatine, on mange. Je suis très bien nourri. Ah non, je suis à peine nourri. Ouais, en même temps, manger des petits bons becs le matin, c'est très bien, mais on mange des chips. Allez, go. J'aime pas ça du tout. Là, on a quoi? Canette de soda, une bouteille remplie d'eau. On va la... Ah, je peux nettoyer le tissu. Bah vas-y, je vais nettoyer les tissus avec la bouteille remplie d'eau. Pourquoi pas. Voilà. J'entends pas de bruit extérieur à part le vent. C'est inquiétant. J'imagine que ça me l'a mis... Où? Dans mon inventaire. Je regarde. Bouteille, bouilloire. La bouilloire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je dirais non. Une boîte de cœur. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux finir de nettoyer vite fait. Alors on a laissé. Je suis fatigué déjà. Putain, arrête tes conneries quoi. On a laissé un jerrycan d'essence ici. On va le prendre. Je le prends. Vas-y, je vais le mettre dans mon sac à dos. Ça me... Ah non, je peux pas. Utiliser un objet secondaire, un bidon d'essence. Ouais, d'accord. Je l'accepte.
Allez, go, go, go. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça sent la faim. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas bon du tout. Je suis trop lourd? Non, je suis pas trop lourd. J'ai mon bidon. On pourrait aller chercher un véhicule et le ramener. Oh! Écoutez, juste à côté, là, ce que je vais faire, je vais placer le bidon. Voilà. Les clopes, on va les laisser là. Putain, ça me prend un an pour faire ça. Il y en a un là. D'où il sort, lui? Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Allez, dépêche-toi! Mais pour poser un bidon par terre, quoi. Sans déconner. Bien sûr, anecdotique. L'état de santé de Radko m'inquiète. Allez, on va traiter lui. Dans un premier temps, parce que c'est le matin. Il n'y a rien d'autre autour. Non, c'est bon, vas-y, viens là. Voilà. Ok, un autre. Allez, viens là. Voilà. Allez, du matin, du matin, du matin, les gars. J'ai froid. Non, j'ai frais. Ça va, frais, ça va. Combien ils sont ici, là? Ah, c'est le barrage. Ok. On va essayer de... On va essayer d'alléger la situation, si on peut. Je remonte un petit peu, je guette. Faudra que je traite beaucoup, parce que je pense que si je reviens en voiture, la voiture faisant du bruit, ça peut m'en faire venir un peu de partout. Oh, bien. Allez, vite. Allez, 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 vite. Vite. Bien. Excusez-moi. Oh, bien, 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 gros. Allez, allez, allez. Ok, ils ont rien de spécial sur eux. Une veste ensanglantée, sweat à capuche, non. Est-ce que je peux pas enlever mon pansement, là? Ouais, j'ai une entaille, vite. Ouais, une entaille, c'est pas de la rigolette. 6h50 du mat. On est au barrage. Oh, d'accord. On prend un peu nos distances, tranquille. C'est pas pratique là, les deux en même temps là, parce qu'ils ils vont arriver en même temps. Je m'écarte, je préfère. Dans le doute. Ils arrivent en même temps. C'est très chiant. Ah! Oh. D'où tu sors, mamie? Oh les chieurs, sans déconner. Trois. Faudrait pas qu'il y en ait plus, quoi. Ils essayent, hein. Allez, mais laissez-moi. Oh, aïe, 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 aïe. Ça commence à être le bordel. Ça y est, c'est parti. Oh. Alors ça, oh. Alors ça, c'était plutôt pas trop prévu. C'était même plutôt pas du tout prévu, on va dire. D'où ils sortent? Et lui, d'où il sort? Et eux, d'où ils sortent? Oh non, c'est bon, ça commence à me fatiguer, ça. Oh là là! Oh, on avait dit qu'ils devaient pas respawn. Hein. Je suis désolé, ça m'énerve. Est-ce que je suis passé dans ces rues là? Oui, bien sûr, je suis passé déjà dans ces rues. Normalement, il devrait y avoir personne. Et il y a plein de gens. Plein de gens tout à fait déplaisants. Bon, bah, va falloir. On va passer notre vie à traiter. Hein. Je suis exténué. Je suis épuisé. Je vais pas réussir à les.
Je vais pas réussir à les taper. Putain. À chaque fois qu'on pense avancer, on n'avance pas. Faut que je fasse très attention. Très très attention. La situation n'est pas amusante. En plus, je trimballe de l'essence. Et il y en a encore là. Ouais, d'accord. Ok. Je sais pas s'ils arrivent. Oh là là. Je sais pas s'ils sont arrivés d'ailleurs ou s'ils étaient déjà là. J'en ai aucune idée. Fiche trop aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, ça se passe mal. Brise légère, froid, bout de nerf, mélancolique, nauséeux, c'est surtout ça, moi, qui m'ennuie, ça. Ça, nauséeux, ça. Quand vous êtes nauséeux, après, vous passez encore plus malade, fiévreux, et puis alors après... Oh là 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 là, l'affaire va mal. Les amis, l'affaire va mal. Il se peut que les jours de Radko soient comptés. Les voitures, elles étaient où? Là, il n'y a plus de... Ah, mais non, mais je suis dans... D'accord. Je suis dans le petit pré qui est en dessous de chez moi. Bon bah je vais les attendre là, hein. Qu'est-ce que je te dise. Va falloir qu'on en traite un peu, hein. Je peux pas poser, le problème c'est que je peux même pas poser le bidon, quoi. Je suis essoufflé, exténué, fatigué. Allez, on traite. Allez, allez, go go. On traite, on traite, on traite. Voilà, très bien. Je suis très fatigué, il est 8h30 du mat. Hein. Ah, et en revoilà deux autres. J'avais bien besoin de ça, moi. Arrêtez, mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, par pitié. Allez, on tape sur les deux en même temps. Voilà. Go, 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 la bagarre. Allez, cogne, 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 Radko, cogne. Il peut plus, là, il est cuit. Eh ben... Vous savez ce que je vais faire? Je vais... retourner vers une voiture. Je sais qu'il y en a une par ici. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce qu'il y a vraiment encore beaucoup de Z dans le secteur? On s'en débarrasse pas de ces saloperies, hein, sans déconner. Hein. Y a pas moyen. J'ai froid ou pas? Je suis glacé. Ah ouais. Si on est glacé, on va faire une petite halte dans la baraquette. Voilà, restons calmes. Là-dedans, ça va, il n'y a pas foule. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir foule. On va manger un petit bout. Une boisson chaude. Non, du fromage. On va manger une poire. Ça, c'est bon. Faut manger des légumes. Des graines de légumes, c'est bien. Mais je vais pas prendre tout de suite. Voilà. Je suis plutôt bien nourri. Ouais, je suis plutôt pas mal nourri. Fais voir ce qu'on a à côté. Qu'est-ce que je pourrais manger? Fourchette à barbecue. Des lanières en cuir. Non. Des casseroles. Je me demande si je vais pas faire une journée de repos complet. Mais complet, hein. Parce que là, je suis cuit, je suis cuit à point. Là, je peux rien faire, Radko, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On va manger ça. Tiens, on va, ouais, c'est du bite salade avec des oignons, très bien, open. C'est bon, c'est bon, c'est bon pour nous, ça. Alors, allez, mange. Mange et va dormir, je vais aller dormir. 9h40, j'ai pas le choix. Est-ce que je ramène la voiture ou est-ce que je vais me reposer avant?
Ferme ça, Kai. Alors je suis un peu dans l'hésitation. Est-ce que je prends... C'était où? C'était là. Est-ce que je prends le van? Ou est-ce que je prends le véhicule léger? On va voir. J'ai froid. Frais. Ouais, ouais, mais ça c'est normal ça. Mais oh, mais sans déconner, il fait nuit ou quoi là? C'est une impression, non? Il est 10h du mat, il fait moins 25, je suis d'accord, mais bon, il fait nuit. C'est quoi ce fourbi? Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de sièges pour stocker. Voyez-vous? Réservoir, donc il est pas en super état. Les pneus avant sont pas dans la condition générale. 36%, ok. J'ai été monté dedans, je me souviens même plus. Monte dedans. Non? Elle est pas ouverte. C'est quoi ce boulot? Bon bah déjà elle est pas ouverte. Ça simplifie un peu l'affaire. Celle-là on avait posé des saloperies à côté. Je suis toujours... Je suis toujours pas bien. Ça, c'est plus ma stock, par contre, pour circuler dans le bled. C'était quoi pour changer de siège? Je veux passer là. Ouais, là, il y a quand même beaucoup de sièges. Le coffre est déverrouillé. Tout va bien. C'est censé, donc, démarrer. Mais je vais pas démarrer. Hein? On va mettre de l'essence dedans. On va partir avec ça. On va tenter. On tente le coup. Ajouter du carburant. Je rajoute le bidon d'essence. Et après, pour bien faire, il faudrait que je remonte dans ma baraque avec ça. Mais si je remonte dans la baraque avec ça, ça va être tendax. Je risque d'attirer la plupart de nos amis les Z. En croix pneu, je vais mettre le tuyau. Qu'est-ce qui lui arrive au tuyau? Ouh, il est pas brillant. On va mettre le bidon d'essence. Ça tient rien du tout. Ah ouais. Moi c'est pas des pneus sport, donc on va virer ça. Ah ouais, non, y a pas de y a pas de coffre quoi, on va dire. Après, quand on vire... Ouais, si, quand on vire quand même le truc, là, on est pas mal. Pourquoi à 11h du matin, il fait nuit noire? Je sais pas. Ma vie, elle est pas belle. Hein. Ça se présente pas bien. Ça, c'était quoi, déjà, là? Au sol. Un marteau à panne ronde. Bon, j'en ai pas directement l'utilité. Par contre, il faut que je fasse très attention à mon tuyau en plomb. Parce qu'il n'est pas en super état. Ok. J'ai froid. Bon, par où je vais pouvoir remonter? Faut que je trouve une route. Exploration. Je vais essayer de remonter ça chez moi. De toute façon, si je dois décéder, je décéderai. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Là, ça passe pas. Hein. On est d'accord. Là, c'est pas une route. C'est comme qui dirait une baraque. Ouais. Là, c'est une route. Pourquoi ça s'agite comme ça, ça, là? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai froid. Oh putain, il y en a là. Ouais, allez, viens, toi, que je te traite vite fait, là. Et puis après, je vais me mettre au chaud, là, parce que ça caille. Ouais, bah voilà, viens, viens comme ça. T'as raison. Viens dans là, gros. Oh non, 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 non. C'est pas sûr que ça se passe bien. Eh merde! Oh, ça m'aimait. Putain, c'est le bordel. Les gars, c'est le bordel. Je suis épuisé. Non, faut que je rentre, je me sauve, je me sauve, je me sauve. Je me sauve vitement, tout se passe mal, tout va mal. Désinfecté, bouteille de bourbon, vas-y.
Allez, 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 dépêche-toi, 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 désinfecte. C'est trop long. Allez, go. Voilà. Tiens, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait des écritures comme ça sur cette baraque. Et c'est marqué Jouille. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ce truc? Oh non! Ah ouais, non, là, 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 on est mal. Là, là on est mal de chez. Vas-y, passe, 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 passe! Eh merde! J'ai plus la force, j'ai plus la force, j'ai plus de force. Mes chers amis, tout va mal. Tout va très, 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 très mal. Oh aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. Comment je vais faire? C'est que je peux même plus courir là. Oh merde. J'arrive plus à courir. Je suis exténuated. Le scénario n'est pas drôle. Oh aïe 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 aïe. Il me rattrape hein, c'est con là. J'essaye, j'essaye, j'essaye de filer le plus vite que je peux. Ça va mal. Ça va très mal. Ça va très 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 mal. J'ai même pas. Là je peux pas faire la bagarre, hein. C'est pas la peine. Ah ouais, puis je les distance pas. Ça c'est ce qui peut arriver de pire. Là je suis en train de sprinter, hein. Là. Voilà, essayez. Oh non. On va le brain. Oh non, on va brain rien du tout. Ça se passe très très mal, les amis. Allez, Radko. Radko, il faut que tu fasses des efforts surhumains là. Là, il peut plus. Il peut plus, il peut plus, il peut plus là. Il peut plus, il est cuit. Le seul truc qu'on peut faire là, c'est essayer de les perdre en forêt. On va essayer. On tente tout, le tout pour le tout sur la forêt, les gars. Allez, go. Catastrophe. Catastrophe. Catastrophe internationale. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, mais ils sont trop près. Je les distancerai pas comme ça. Je les distancerai pas comme ça. Donc ça veut dire que ça va très mal. Oh mon dieu, 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 mon dieu. Au secours. Je peux pas courir. Je vais tomber sans tarder. Le bandage est sale, c'est bien le moment. Je remets un pansement. Ma vie est tombée de moitié, hein, on est d'accord? Allez, mais foutez la paix là-haut. Ah, la meute se dispatche un petit peu. Oh aïe 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 aïe, mes amis, mes amis, mes amis. ça va mal. Ça va mal et puis le problème c'est qu'on est à la maison. Et j'avais pas spécialement envie de les avoir à la maison, ces couillons de la lune. Donc là faut que je les éloigne. Il semblerait qu'il y en ait un ou deux qui ait lâché l'affaire. Non, non, rien du tout, oui. Rien du tout, zéro. Blessure très sévère. Aïe, 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 aïe. Radko, il va falloir que tu fasses la bagarre. Et là, c'est pas gagné. Une alarme, sans déconner. À chaque fois, je me fais cravate sur des alarmes. C'est quand même dingo. C'est la vie. C'est la... Ouais, j'ai pas le choix, là, faut que je bagarre.
Allez, go. Eh merde. Ah là 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 là. Allez, bats-toi, bats-toi. Bats-toi, gros. C'est trop tard, c'est fini. Allez, jusqu'à la mort, Radko. Non. 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 Sept jours. C'est pas violent. Bon, bah écoutez, les petits amis, on ne sera pas sortis de la ville de Kamenki. Donc je vous encourage quand même vivement à essayer ce mode, enfin cette map et ce kit de mode qui vont avec, Project Russia. C'est très joli. On n'aura vu que la ville de Kamenki. C'est pas exclu qu'on y revienne pas un de ces quatre. On sait jamais. Moi je vais vous dire, méfiez-vous. Faites gaffe. Quand tout va mal, tout va mal. Portez-vous bien et à la prochaine. On retrouvera quelqu'un d'autre pour de nouvelles aventures. A bientôt, camarades survivants. Das Vidanie.